Ce sont près de 9 départements représentés par leurs ressortissants vivant à Pointe-Noire, réunis autour d'Antoinette Sassou-Nguesso, épouse du candidat de la majorité présidentielle. Tour à tour, chaque représentant de département a salué l'initiative et a affirmé le vœu d'accompagner Denis Sassou-Nguesso à la victoire lors de la présidentielle du 21 mars prochain. Initiateur de la rencontre, Jean-François Kando a fait une synthèse du passage des représentants de chaque département. Ces frères et sœurs qui sont venus ici cet après-midi pour vous dire leurs ressentis sont venus avec le cœur. Parce qu'il ne s'agit pas d'une génération spontanée. Il s'agit des personnes avec qui nous avons conféré pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et ils viennent ici pour une seule chose, le soutien indéfectible déclaré par nos frères ressortissants des départements de la République, hormis le Kwilu, qui vous est déjà acquis. Satisfaite d'une telle initiative, Antoinette Sassou-Nguesso s'est dite rassurée, mais exhorte les participants à multiplier plus d'actes pour concrétiser la victoire de leur candidat. Émue comme certains l'ont dit, parce que c'est la première fois depuis que je vis ici, depuis que je viens ici, depuis que mon mari est président de la République, que je vois un rassemblement comme ça autour d'un maire qui regroupe tous les départements du pays. Donc, j'ai pris acte. Mais pour l'instant, je vous laisse encore suivre ce que je vous ai dit. Allez dans les quartiers, qu'il y ait un mouvement, que les gens se lèvent dans les quartiers, dans les maisons, pour que je me rende compte que vraiment, vous êtes toujours et vous resterez encore toujours debout jusqu'au jour de la victoire. Cette rencontre permet d'inciter davantage les ressortissants des différents départements de voter le candidat Denis Sassou-Nguesso.